les artisans boivent avant de faire des chantiers. C'est connu. Bonjour, Jérôme, j'ai 34 ans, j'habite en Seine-Maritime, entre Le Havre et Rouen, en campagne. La campagne, c'est quelque chose qu'on aime bien, on aime bien être au calme. Je suis technicien d'exploitation à la centrale nucléaire de Paluel. D'accord, là t'es pas contaminé? Non, comme ça. Non, je suis pas en vert fluo la nuit. La maison fait 47 mètres de long par 8 de large. Nous, quand on a acheté, il y a 20 ans, elle faisait le double en longueur. Elle faisait 90 mètres de long, la bâtisse. C'est une ancienne bergerie. On l'a acheté, ça avait déjà été réhabilité par une dame, c'est une raison secondaire. En fait, on a visité, on a eu le coup de cœur pour la bâtisse en elle-même. L'intérieur, on a tout cassé. On a tout redoublé, tous les murs, isolé. Moi, j'ai fait tout ce qui était ossature métallique, j'ai refait toute l'électricité entièrement. Et madame a fait les bandes, bandes à joint. Elle fait quoi ta femme? Elle est soignante. Donc elle a le temps, elle en a pas non plus trop. Non. T'as pas tout refait, t'as fait faire des trucs par des artisans? Non, on a tout fait nous-mêmes. Même les ouvertures là pour toutes les fenêtres, là il y avait aucune ouverture. On a changé toutes les fenêtres. C'est incroyable ce plafond là, j'ai jamais vu ça. Est-ce que c'est un truc spécial d'ici? Oui, c'est typique normand. Ouais. En fait, c'est que des IPN avec de la brique plâtrière mis en arche et plâtrée par le dessus. Et le plafond, c'est toi qui te l'es tapé après? C'est madame qui l'a fait au rouleau avec un échafaudage. Il y a combien de mètres carrés là? Le plafond. Là, il y a au sol, il y a 92 mètres carrés. Enfoiré. C'est de la seigneurie Gauthier. D'accord. C'est où est-ce que tu te fournis toi ici? À PPG au Havre. C'est au Havre, oui, ça fait une trotte quand même d'ici. Bah c'est bon, en fait on en profite quand on a une course à faire, on va sur le Havre et puis on fait une journée et puis on achète tout en même temps. Vous avez remarqué son accent, hein, c'est l'accent de Normandie, on est en Normandie ici. T'as pas envie de te suicider avec ce temps? Il y a un taux de suicide assez élevé ou pas? Mince. Bon après on est au mois d'avril. L'été, rassure-moi, il fait pas ce temps. Un jour sur deux. Ah oui, là, grosso modo, t'as rénové une centaine de mètres carrés, quoi. En tout, là, on a 225 mètres carrés, là, habitables. De rénover? Ouais. Entièrement? Ouais. Mur plafond? Ouais. Et est-ce que tu te rappelles le budget que t'as juste pour la peinture, je parle hein. La peinture, on doit être dans les 600-700 euros. Pas plus? Non, pas plus, non. T'es sûr? Ouais. 600-700 euros, ça me paraît pas beaucoup quand même. Nous, dans le coin, limite, on l'a moins cher parce que la peinture elle est fabriquée dans les. C'est local. Elle est fabriquée. À Gonfroville-Lorcher, ouais. Ah ouais, parce que je connaissais une usine dans le nord. Ouais, il y en a une dans le nord, il y en a une juste avant le Havre. Bon, en même temps, franchement, quand on entend ton accent, on sait pas trop si on est en Normandie ou dans le nord. T'es natif d'ici? Ouais, je suis du coin, ouais. Tu es fier de ta région? Oui, moi j'aime bien. Il y a quoi comme spécialité? Dans les champs, on voit pas les cultures là, en ce moment. Là, c'est le blé, colza, lin. L'escalier était déjà là. Il était dans cet état? Ouais. Non, on l'a reponcé un peu, mais il était gros, il était comme ça. Ah, il est beau. C'est cher ici ou pas? Là, on est acheté à 205. Ici, il y a combien de terrain? Un hectare. Acheté 205 et il y a à peu près 80 000 euros de travaux. C'est cher pour la région, ce que tu m'as dit? Non, non. Là, on a refait plus ou moins estimé après la grosse partie des travaux, on a quasiment doublé. Vu qu'on avait ici à payer plus une location. Il y a des trucs qu'on a fait, on a fait plus ou moins vite pour pouvoir vis dedans. Nous, les plafonds, à la base, ils étaient tous à cette hauteur-là. Nous, on a tout recassé de l'autre côté pour monter les plafonds à 3,40 m. Donc là, en fait, ça continue sous la maison, là. Ça te donne ça. La vache! Et là, c'est un plancher béton partout. Qu'est-ce que t'as trouvé de plus difficile à faire dans les travaux de peinture, hein? Prendre le temps de regarder vraiment si le mur est nickel, quoi. C'est ce qu'il y a de plus long. Bah déjà, de travailler de la peinture de qualité, déjà, c'est carrément plus agréable. Et bah, première maison avec de la peinture GSB, quoi. Ouais. Bah, tu mets 25 couches, quoi. Là, nous, pour tous les travaux, on a mis que 1 an et demi. Quand même avoir un minimum de connaissances sur certaines choses, quoi. Merci à toi, Jérôme. Continue le chant. Je trouve que c'est bien. Non. Hey Stéphane, c'est quoi ton petit prénom propre? Bah, c'est Stéphane. Oh, ça fait plaisir de te voir, disons, ça faisait longtemps qu'on s'était pas. Bah oui, mais moi je t'ai déjà vu. Alors, tu le trouves comment? Tout pareil. Tout pareil. Fais les lunettes de cow-boy là, on est en Normandie, dans l'Eure, on n'est pas loin de Gisors. Voilà, est-ce qu'on était pas trop en retard? Non, très bien. Dans les clous. Dans l'Eure. Ça y est, il a compris. Ah oui, on n'est pas très loin de l'île de France. Ouais, t'es pas très loin de. C'est la route de. J'ai oublié là, je viens de Rouen, c'est la route de. Putain, j'ai une tante là-bas. Cergy. Cergy Pontoise. Alors, dans cette maison, on y est depuis décembre 2020.
On a acheté en septembre. Ouais. De septembre à décembre, on a fait un maximum de travaux, ce qui faisait de la poussière et tout avant d'emménager. 70 mètres carrés ici. Il y a deux chambres à la base, il y en avait une ici, mais le couloir était cassé. Et on peut dire le prix ou... C'est 150. Ah, dans l'état avec les travaux à faire. La peinture, tu t'es fourni où? Alors, c'est la seigneurie. Toute la peinture, c'est seigneurie. J'ai un pote qui pouvait m'avoir des prix, donc voilà. Ouais. Mais il y a beau regarder les vidéos, hein, mais quand tu le fais en vrai, c'est pas pareil qu'en vidéo. Hein. Tu sais, tu vois, docteur peinture fait hop, c'est fait. Moi, les réchampis, je déborde de partout. C'est... Et donc là, ici, on avait un mur qui venait de l'aplomb là. Donc on a tout pété avec Delphine, on a cassé tout ça. C'était du placo? Ah non, brique plâtrière. Hein. Oh putain. Le plafond, c'est moi et mon pote. Il est joli. On a passé beaucoup d'enduit. Voilà, on a eu des surprises, d'humidité. Ouais. À un moment donné, quand il a fallu peindre, on s'est retrouvé, il y avait une fissure, j'ai dû péter, refaire. Le seul truc que je n'ai pas peint moi, c'est le plafond. Mon pote, d'accord. il m'a même interdit, merci Sébastien, il m'a dit je t'interdis de peindre le plafond. Les murs, tout ça, c'est toi, c'est... Allez, tous les murs, c'est moi après. Mais n'empêche que tes vidéos ont beaucoup aidé, ça. Je demande la sucette, vas-y. Non, sans déconner. Alors, cette chambre, sur ton forum, j'avais posté une photo parce qu'ici, je me suis retrouvé avec une fissure tout le long. Et, sur... et j'ai dû tout péter, j'étais à 10 minutes de faire la peinture. Hein. Ah ouais, putain. Et sur tes conseils, j'ai mis de l'enduit fibré. Là, et je suis assez content de moi parce que ça se voit pas trop. Non. Nous avons décidé avec Delphine de ne prendre, hormis la maison, aucun crédit. D'accord. Donc l'isolation extérieure, ça nous a coûté une blinde. C'est... Combien ça a coûté ça? Oh, très cher. 18 000 euros au total pour 16 cm d'épais. On a eu droit à une petite aide de l'État, mais c'est quasiment rien par rapport à ce qu'on a payé. Et donc, ce qui fait qu'on a fait des choix. Est-ce qu'on fait de la belle déco, on met des beaux meubles, ou est-ce qu'on s'isole? Bah, on s'isole. D'accord. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, on a des meubles un peu pourris, mais... T'as fait un hiver sans l'isolation? Ah oui, mais une misère. À titre d'info, les radiateurs à fond, on avait à peine 19 degrés. Ouais. Et là, les radiateurs, ils sont à peine tièdes et on a 19 degrés. Putain, tu chauffais le cul des hirondelles. Là. 65% d'humidité, on est passé à 40. Et là, donc, c'est finition, donc, c'est un gratté, on va dire un projeté gratté, là, ouais, c'est ça. Peinture. Ouais, il faut compter 18 000 euros pour une maison qui fait à peu près... 70 mètres carrés. J'ai fait venir trois entreprises, bon, dans les prix, ça, à 1500 euros près, c'était pareil. Quoi. Ce qui est déco, c'est pas pour moi. Non, c'est ta femme qui fait la déco. Vous étiez quand même tous les deux à faire la peinture. Ouais, elle m'a aidé, oui. Ici, si, les plafonds, pareil, c'est ton copain? Non, c'est tout seul, là. Ah, ça, c'est toi? Ça, c'est moi, tout seul. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce que t'as fait dans la maison? Peindre, à la limite. Passer le rouleau. Ouais, au mur je préfère, parce qu'au plafond, finit par avoir mal au cou. Qu'est-ce que t'as pas aimé du tout? Poncer. En fait, c'est pas compliqué, mais c'est chiant, on prend de la poussière, même si on aspire avec la ponceuse et tout. Comment tu trouves Docteur Peinture en vrai? Il ressemble à celui que j'ai vu en vidéo. Ouais, en moins gros. Écoute, on a fait le tour de ta maison. Allez. Je te remercie, Stéphane, de m'avoir invité chez toi. J'ai pas encore choisi ma chambre, donc je sais pas dans quel sens je vais dormir. Il n'y a qu'un lit. Ouais, mais c'est pas grave, on dormir ensemble. Attends. Merci d'être venu, je t'aime. C'était ça, non? C'était ça. Ouais, salut. C'est quoi ton petit prénom, prof? C'est Raphaël. Ça te fait quoi de voir Docteur Peinture chez toi? Ça fait beaucoup de stress parce que le professeur... C'est un entretien, non mais t'inquiète. Non, c'est pas un entretien, c'est plutôt comme si le professeur venait évaluer le travail. Quoi. C'est comme si j'avais rendu une rédaction et que j'attendais ma note. Bon, déjà, t'as une très belle maison. Merci. On va pas dire où tu habites, mais c'est en Normandie, on n'est pas très loin de Caen. C'est ça. Et je suis très surpris de la circulation. Ah oui, pour de la campagne, c'est vrai que c'est un peu passant, mais... Ok, bah écoute, tu veux nous faire visiter un petit peu? Avec plaisir. Allez, allons voir ça. Donc ici, ça fait combien de temps que tu habites? Donc ça fait moins de 2 ans. Moins de 2 ans? C'était en quel état quand tu l'as acheté? Pas trop mal, mais pas génial. L'intérieur, t'as tout refait en peinture? Quasiment. Je crois qu'on a quasiment repeint toutes les pièces. La marque de peinture que t'as utilisée? On a utilisé plusieurs. On a utilisé pas mal de Luxens. La marque Luxens, la marque Leroy Merlin, ouais. Et du Luxe Valentine. Ouais,
Ça va un petit peu mieux, c'est cher quand même du luxe. Oui, mais après les teintes nous convenaient pas trop mal. Ah oui, d'accord. T'as pas accès à des marques pro dans le coin? Je pense que si, mais c'est plutôt mon budget qui n'avait pas accès aux marques pro. Ouais. Le beige était Luxens et le bleu de Luxe. Ah ouais, voilà. Franchement, c'est pas dégueulasse pour de la peinture de GSB, tu vois, j'ai été très surpris. Ouais. Est-ce que tu connais le budget total de peinture que tu as mis là-dedans? Je pense qu'on doit quand même être pas loin des 400-500 euros. Mètre carré, on est à combien ici? 150. Mais t'as pas repeint tout donc? Non, pas encore. Non. Je pense qu'on a repeint à peu près la moitié. Oui, quand même. Ouais, donc si t'avais refait la maison entière, il y en avait pour plus de 1000 euros. Bah, je pense. Ici, bah écoute, c'est pas dégueulasse, alors on va pas... Moi, je suis pas là pour juger justement ton travail, hein. Mais je regarde aussi en même temps la qualité de la peinture. Et je la trouve pas dégueulasse. Ici, la maison étant un peu vieille, tous les murs ne sont pas parfaits. On a eu beau les rattraper autant qu'on pouvait à force d'enduit et de ponçage, on a opté pour une peinture mate qui gomme les défauts. Exactement. Mais dis donc, tu nous donnes des cours en plus. J'ai eu un bon professeur. Ouais. Là, on est sur de la pierre derrière. Plutôt une couche de béton par-dessus de la pierre. Le mur intérieur, c'est plutôt du placo qui a été... Alors, cela, oui. Ça, c'est plutôt du placo qui a été plaqué directement sur la pierre. D'accord. On a refait le plafond ici aussi. Donc... Ouais. Alors là, par contre, t'as pris une espèce de satiné ou de velours. Velours. Pourquoi t'as pas pris un mat, puisque tu sais que ça cache les défauts? Wow. Pour la luminosité, je crois. Le velours, ça semblait une bonne idée. Puis bon, en fait, c'est vrai que... Bon, le résultat nous convient, mais... Et je regardais tes réchambis, ils sont parfaits. Ouais. Donc, alors là, on a utilisé la technique Docteur Peinture, ouais. Du scotch, plus joint acrylique. Bon, ici, t'en avais marre, t'avais plus d'enduit. T'étais dit, non, ici, je vais pas m'emmerder, on va laisser ça comme ça. C'est vrai qu'il y a peut-être quelques endroits où on a été feignants. On aurait pu faire un effort sur ce petit morceau. Alors ici, bon, on a simplement nettoyé la pierre et repeint un peu. Voilà. C'était la première pièce qu'on a refait dans la maison. Alors, c'est pas forcément celle où on a été le plus appliqué parce qu'on était pressé. Il y a un côté trop glodite. Bah, c'est une maison qui a eu un moment, une extension, une grande extension. Donc là, on n'est plus dans la partie historique de la maison, on est dans la partie qui a été rajoutée. Ah, elle devait être petite alors à l'époque. Ouais, bah, c'est typique des maisons du coin. D'accord. Avec un côté probablement une maison, enfin une ferme qu'on a transformée, une grange qu'on a transformée en maison, des choses comme ça. Le papier peint, je l'ai acheté dans un petit magasin de déco sur Caen. Non, dans l'ensemble, c'est super propre. Bravo, je suis fier de vous. Pas de cloque, rien. Tu vois, c'est l'essentiel. Il est très joli l'escalier, il est d'origine. Oui. La cage d'escalier est immense en fait pour la maison que c'est. Oui. C'était large comme ça, tout a rien bougé. Ouais, c'est comme ça. Ouais, il y a beaucoup de maisons avec des escaliers comme ça. Non. Ouais, on peut se croiser à deux. C'est ça. Là, explique-moi, ici, c'est toi qui as cloisonné? Non, alors c'était cloisonné. Très ouvert. Et on a décidé de mettre une verrière. Ah, ça pas con du tout. Ouais. Parce que du coup, sans la verrière, le couloir est extrêmement sombre et on était dépendant de la lumière. Ouais, et comme on voulait faire un bureau bibliothèque ici, on était... Ah oui, mais franchement, ça tue. En fait, moi, j'ai l'air d'un con avec mon bureau. C'est une maison, on a dit 150 mètres carrés. Ouais. Le terrain, il fait à peu près combien ici? Il fait 600, 650. 600. C'est cher la région? Moi, quand j'ai acheté, ça allait encore. Le seul problème, c'est que ça a été très privilégié quand il y a eu les vagues de personnes COVID. Qui voulaient se mettre au vert suite au Covid. La maison comme elle était quand je l'ai eue, à peu près 200 000 et quelques. 200 000 balles, ça commence à faire cher pour ici, quoi, du coup. Ouais. Qu'est-ce que t'as trouvé de chiant à faire? Le papier peint, moi, c'est pas trop mon truc. C'est quelque chose qui m'énerve vite parce qu'il faut être minutieux. Voilà, c'est ça. La peinture en soi, je trouve pas ça chiant. C'est plutôt tout le travail de préparation qui est vraiment fastidieux. Boucher les trous, refaire un mur lisse, et ensuite, voilà. C'est vraiment beaucoup de préparation. Et en fait, presque le moment de peindre, c'est le plus sympa parce qu'on sait qu'après, c'est fini, quoi. C'est la dernière étape. Ça te fait quoi de rencontrer Docteur Peinture en vrai? Je suis très ému. Non, ça fait super plaisir parce que moi, j'ai l'impression que tu m'as aidé pendant les travaux. Moi, ça m'a aidé. Les gens qui venaient peindre avec moi, parce qu'on a forcément des amis qui nous aident, leur disaient, bah attends, je vais te montrer la vidéo, tu vas voir comment ça se passe. Ouais. Et puis, je suis pas le dernier à promouvoir la chaîne auprès des amis qui font des travaux parce que c'est bien pratique. Mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est plein d'astuces et de conseils qui servent. Tu jettes ton chien, t'emmerdes depuis tout à l'heure. T'es très gentil, je te souhaite plein de bonnes choses. Maintenant que t'as fini, bon, tu vas y aller tranquille. Ouais, non, mais pour les prochains travaux, ça va se passer tranquille. Par contre, vas-y doucement sur le cidre doux parce que ça sent quand même un petit peu le vieux P là-bas dans ton bureau. Là, ça sent la pomme.
pu arriver jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les deux vidéos que je te propose, là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si bien. Tu es mon seul espoir.